Oh bonjour mes filles, attendez je pose l'ordinateur. Bonjour papa. J'espère que vous avez préparé vos valises. Nos valises? Comment ça nos valises papa? Ah mince, je ne vous avais pas prévenu, mais nous partons en voyage. Enfin, nous, vous partez en voyage. Vous avez 16 ans, je pense que vous pouvez aller toute seule en voyage. Mais où ça papa? C'était pas prévu? Sur une île paradisiaque. Vous allez vous y plaire. J'ai booké votre voyage tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais vous y emmener personnellement. On va prendre notre petit jet privé, et une fois sur place, il faudra qu'on prenne un petit bateau. Sérieusement? Mais en fait, ça peut être une bonne idée, tu trouves pas, Jade? Ben oui, Ambre. Imagine les photos que ça pourrait faire pour nos fans. Oh, il faut qu'on mette plein de bikinis alors. Et je suis là, je suis votre père, c'est pas le genre de choses que j'aime entendre. Vous allez prendre des maillots de bain, une pièce, hein. Mais papa, on a 16 ans et puis sur notre compte Instagram, eh bien, on montre des trucs de mode. Regarde comme on est trop bien habillés. Sans oublier que la mode de l'imprimé léopard est revenue grâce à nous. Oui, j'ai bien compris. Vous avez des milliers de followers sur votre compte Instagram en commun. Mais tout de même... J'ai pas envie de savoir. Enfin bon, préparez vos affaires et on va bientôt décoller. Allez-y, je vous attends. Allez, viens. On va chercher nos affaires. Ambre, tu penses qu'on a pris assez d'affaires? J'ai vraiment un doute. Écoute, Jade, au pire, on fera venir d'autres affaires si on en a vraiment besoin. Mais là, j'ai bien peur que papa, il va pas trop apprécier qu'on ait autant de valises. Oui, mais c'est le strict minimum. Et encore, j'ai pris que un seul de mes sèche-cheveux. Je pense que ça ira tout de même. Ne t'inquiète pas, j'ai pris moi tout ce qu'il faut pour nous boucler, nous faire nos brushings, pour faire nos super photos. Le plus important, c'est qu'on ait pris plein de bikinis de différentes couleurs pour que ce soit associé à la nature qu'il y aura sur place. Je sais pas s'il y a une petite ville à côté, imagine les belles photos avec de belles maisons colorées. C'est toujours comme ça sur les îles, il y a de très belles maisons colorées. Pour notre feed Instagram, ça va être vraiment beau. Les filles, je vous attends, venez. Allons-y. C'est bon les filles, nous sommes arrivées. Papa, tu es sûr que les valises sont déjà arrivées? Parce que là, il faut vraiment que j'éponge ma sueur. Le soleil m'a fait suer. Et de l'eau pour m'hydrater. Ne vous inquiétez pas les filles, tout est là sur place. Et si vous avez un souci, il y a le fixe dans la cuisine avec tous les numéros importants. Le fixe? Mais c'est quoi un fixe, papa? Voyons, Jade, tu ne sais pas ce que c'est un fixe. C'est un téléphone, mais qui n'est pas portable. Ça ira, de toute façon, on a nos téléphones portables. Tu viens, on va aller découvrir cet endroit. Attends-moi, j'arrive. Jade, Ambre, mes filles, je vous aime. Vous êtes mes petits joyaux. Et on se revoit d'ici 3-4 jours. À plus tard. Au revoir, papa. On va déjà mettre nos meilleurs bikinis, viens. Une bonne chose, c'est que nos valises, elles sont là. Je suis rassurée. Et maintenant, je pense qu'on devrait faire un petit live sur TikTok et sur Instagram... Pour montrer ces paysages, nos abonnés, ils vont pas y croire. C'est vrai que c'est tellement beau ici. On va tellement s'y plaire. Je vois déjà les lives qu'on va faire ici. Ça va être trop bien dans la piscine. Et puis en plus, on va pouvoir faire de très belles photos. Je crois qu'on a pris les meilleurs outfits qu'on pouvait prendre. Je vais préparer le live. Alors, on va configurer tout ça. C'est étrange. Je ne capte pas le réseau ici. Ni la 4G, il n'y a même pas de 3G. Il n'y a même pas de 0G ici. On fait comment? Il doit bien y avoir des instructions quelque part dans cette maison pour se connecter à la box internet. Peut-être qu'on est, on est toujours dans le même pays, je ne sais même pas. C'est peut-être pour ça. On ne va pas s'inquiéter. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. De toute façon, c'est obligé qu'il y ait une box internet dans le coin. On va trouver la box internet et puis on va reprendre le code pour pouvoir se connecter à internet et pour faire notre live. Je vais t'aider à chercher. Tu cherches à l'étage du haut ou celui du bas? Je vais aller à l'étage du haut, comme ça toi tu peux rester en bas. Et dès que tu as trouvé quelque chose, tu m'appelles.
Ici, on dirait bien un décodeur internet, ça, c'est pas ça? Ou bien, non, je crois que c'est juste pour la télévision, il n'y a aucun code là-dessus. Bon, ça a pas l'air d'être là. Va falloir que je cherche autre part. Alors, Jade, est-ce que tu as trouvé? Non, Ambre, je n'ai toujours pas trouvé. Continue à chercher. Je ne pense pas qu'ils auraient mis une box internet dans la salle de bain. Ça ne doit pas être là. J'ai vraiment plus aucune idée. C'est pas possible, il doit être à l'étage du haut. Comment on va faire s'il n'y a pas d'internet? On ne va jamais s'en sortir. Je pense qu'il faut qu'on utilise le fixe et qu'on appelle notre père d'urgence. C'est une crise. C'est la crise. Je crois que c'est ça qu'on appelle un fixe. Il y a une sorte de cabinet téléphonique et des petits boutons avec des numéros. Le carnet, il est juste à côté. Vas-y, tape le numéro de papa. D'accord, je m'en occupe. Allô ? Excellent, ça marche. Salut papa ! Coucou papa ! C'était fille chérie adorée. En fait, on t'appelle parce qu'on a un souci. Il n'y a pas d'internet et on n'a pas de wifi. On n'a pas la 4G, on n'a rien du tout. On fait comment pour se connecter ? Ouais, c'est quoi le code ? Ah là là, mais fille chérie, il n'y a pas d'internet. En fait, l'endroit où vous êtes n'est connecté avec le monde extérieur qu'à travers le téléphone fixe. C'est votre seul moyen de communication. J'ai fait exprès afin de vous laisser un petit peu aérer votre esprit et de vous déconnecter de toutes les technologies. Mais papa, on fait comment nous ? On a besoin de tenir informés nos followers. Pas de problème, vos followers seront toujours là à votre retour. Vous n'allez rester ici que 3 jours. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Et il y a plein d'activités à faire sur cette petite île. Profitez-en. Bon, d'accord. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Ah. Ok, papa. Ben, on te rappelle si on a un problème. Ça marche. Bisous, les filles. Bisous, papa. Ambre, on fait quoi, du coup ? Parce que, franchement, là, j'ai l'impression que j'ai perdu comme mon GPS. Je sais pas, mon téléphone, internet, tout ça, c'est un peu ma ligne de conduite. On fait quoi maintenant? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment on va survivre 3 jours. Déjà, la dernière fois, on a une coupure pendant 5 minutes. Ça a été limite une catastrophe. Mais là, 3 jours sans internet. Je suis sûre qu'on peut trouver une idée. Ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos et des photos hors ligne. Notre contenu, il a toujours été très créatif. On a toujours été vraiment des bombes à création. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut transformer ce voyage qui part sur de mauvais pied en quelque chose de positif. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu as une idée. Vas-y, déballe tout. Et tu as raison. Et si, par exemple, on tournerait pas une petite vidéo genre type guide de survie sans internet? Et ça consisterait en quoi? Simplement survivre sans internet. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas internet avec son téléphone, les différentes possibilités, comment qu'on peut cuisiner alors qu'on est sur une île déserte, etc. etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. T'as raison, et maintenant que tu dis ça, j'ai plein d'idées dans ma cervelle. Mais genre trop, ça, je déborde d'idées là. Oh, on déborde toutes les deux d'idées. Je suis sûre que la vidéo va être une pépite à la fin. Je propose qu'on se pose déjà pendant une petite heure, qu'on écrive toutes nos idées sur un papier. Waouh ! Écrire sur un papier ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On a toujours l'habitude d'écrire sur nos MacBooks. Bah ouais, mais justement, est-ce que ce serait pas genre un des trucs qu'on pourrait dire dans notre guide de survie ? De trouver du papier et un stylo ? Vite, je vais trouver tout ça. Parce que sinon, mes idées vont s'envoler. Salut les filles! Et ben alors, quel look! Salut papa! T'as vu, on a utilisé des vraies noix de coco pour faire ça. Et c'était l'idée de Jade. Et moi, je suis allée chercher les noix de coco sur les palmiers de l'île. Par contre, toi, Ambre, t'as eu l'idée de l'herbe pour faire la jupe. Et c'est trop beau, j'adore!
Je vois que, au moins, vous n'avez pas perdu votre créativité, comme quoi vous n'avez pas besoin d'internet pour en avoir. C'est vraiment bien. Vous venez, je vous ramène à la maison. J'espère que vous avez passé un bon séjour. Ah oui, c'était vraiment super. On a adoré passer ces 3 jours ici. On a fait plein de trucs, même si on a quand même hâte de rentrer à la maison. Je vois que vous n'avez pas perdu vos habitudes. À peine vous êtes rentré, et puis déjà dès le matin, au réveil, ça recommence. Les ordinateurs, les iPads, les téléphones. Bah oui, papa, on a beaucoup de travail avec tout le contenu qu'on a filmé et qu'on a tourné sur l'île. Eh bien, ça nous fait quand même pas mal de dérushs. Et on a déjà sorti notre première vidéo, on a bossé quasiment toute la soirée hier pour sortir notre guide de survie. Et j'y crois pas, le guide de survie, on l'a posté ce matin et il y a déjà des millions de vues dessus, des millions et des milliers qui se sont follow à notre compte, qui ont découvert notre contenu grâce au guide de survie. Guide de survie, mais de quoi est-ce que vous parlez ? Ben papa, quand on était sur l'île, on savait pas quoi faire et on s'est dit tiens, on va aller tourner un guide de survie. En fait, c'est des idées, des astuces de comment survivre sans internet sur une île. Et en plus, on a fait de ces plans, etc. Le maillot de bain en noix de coco. Et franchement, les gens, ils adorent le contenu là. Je n'y crois pas. Moi qui avais pensé avoir réussi mon coup, finalement, ça se retourne contre moi. Vous avez tout de même pas réussi à vous déconnecter de vos réseaux sociaux malgré tout. Même pour 3 jours. La prochaine fois, je sais pas, je vous emmène dans un endroit qui congèle votre téléphone. Peut-être, je sais pas, dans les montagnes. Je vous envoie au Mont Everest, tiens. Comme ça, vous aurez tellement froid que vous ne sortirez pas vos mains de vos poches. Je le comprends vraiment pas. Vraiment, c'est un boomer, papa. Hein. Oh, ça lui passera. Cet après-midi, il va continuer à rigoler avec nous.